houle solide et agitée ce matin sur les canaux. Bonjour à toutes et à tous et bon mardi. Un mardi qui commence avec un temps gris, couvert, pluvieux, doux. La température extérieure est à 12 degrés, la température de l'eau est à 15 degrés. La marée est en train de descendre, le plein bas est à 9h45 avec des coefficients importants de 92. Et sur cette marée qui est en train de finir de descendre, le vent est toujours side offshore, mais il est en train de se lever là. Il est faible à modéré maintenant, sud-sud-est à de Beaufort. Le drapeau commence à se réveiller, à se tendre. On a un plan d'eau qui est légèrement ridé, les phases de vagues sont lisses et on a les restes de la houle longue de l'ex-ouragan Oscar, 12 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest, une houle qui est multipique, consistante un peu plus grosse que ce que j'avais vu ce matin dans la pénombre. Il y a un déferlement régulier de 2 mètres et sur les séries il y a 2,30 à 2,50 agités, des fois il y a des bouts, des fois il n'y en a pas. À la canon, c'est pas super calé, ça va être difficilement praticable à surveiller les spots de repli ce matin. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui, l'un dans l'autre, devrait rester stationnaire toute la journée. La bouée Arcachon-Gascogne, au dernier relevé, est à 3,69 m. Pour ce qui est du vent, on attend une entrée maritime soutenue à la mi-journée, revenant au sud soutenu cet après-midi et en soirée, avec un indice de confiance faible pour le vent. Les prévisions à 13h, c'est 2 mètres à 2 mètres et 50. Ou l'ouest nord-ouest à ouest, 12 secondes de période, vent prévu sud-ouest à 4 Beaufort. Et à 17h, 2 mètres, 2 mètres 50. Ou l'ouest nord-ouest à ouest, 11 secondes de période avec un vent de sud 4 Beaufort. Bah, option spot de repli ce matin et à surveiller spot de repli ce soir. Prochain point, spot exposé, 11h30. Merci.